Shalom Alechem, Malachey Yasharit, Malachey Yehiel Yon. Shabbat et eh, Shalom. Shalom et eh, Shabbat. Mi melech malachey yam lachim barou Shabbat, Cela veut dire. L'arrêt la cessation l'abstention le repos pour la chale mal cha malarrêt Après qu'il y a eu l'enregistrement d'une vidéo qui s'appelle Les, Les éternelles vacances de l'amour, Holy Days, il euh, y a deux livres qui se sont jetés dans mes bras <laughs> sans que je m'y attende du tout. Euh, un qui s'appelle... Lumière du Shabbat, Shabbat de lumière de Anne-Catherine Avril et Le Shabbat, le don du repos de Bonnie Saul Wilkes. Donc les deux en même temps, euh, voilà, ils ne m'appartiennent pas, mais là ils sont sous mes yeux. <laughs> Je te les mettrai euh, en photo dans la vidéo. Et. Euh, Ouais, en fait là, il y, y a plein de... Il <laughs> y a comme plein de petits papillons <laughs> qui. qui pétillent pour... qui amènent en fait ce podcast à être fait. Euh... Donc ça va papillonner un peu dans tous les sens. Voilà, ouais, je te préviens au cas où. <laughs> que tu essayes de trouver... Euh... La cohérence, euh, ben, ce sera de la cohérence dans de l'incohérence et de la cohérence. On va cohérer ensemble. C'est bon ça. Hmm. Et les deux livres, c'est marrant parce qu'ils ont pratiquement la même couverture, ces deux bougies. Parce que euh, le temps euh, de Shabbat, en fait, euh, et je vais t'en parler, mais moi-même, euh, je ne suis pas de tradition juive, je n'ai jamais vécu euh, euh, Shabbat au sein d'un foyer. Euh, je ne parle pas l'hébreu. Euh, ces livres, je les ai papillonnés, butinés. Donc. Il y a un petit peu de ça, mais surtout... Il y a une résonance de cœur. Et c'est surtout ça, en fait, qui rayonne à travers ce podcast. C'est cette vibration d'amour. Donc, bien sûr, ça va puiser à la fois la source de cette tradition hébraïque qui est Shabbat, et vraiment, ça, ça, ça se dilate euh, bien au-delà. Euh, donc c'est à la sauce vera <laughs> Je dis ça au cas où que tu serais euh, euh, quelqu'un qui est spécialiste, <laughs> un expert <laughs> ou une experte <laughs> des traditions hébraïques. Et... J'espère que tu vas pas te formaliser <laughs> parce que c'est un hommage à ce repos éternel que nous sommes, ce repos divin qui est à la fois vertical et horizontal. Et ni vertical ni horizontale. Donc, quand je dis résonance de cœur, c'est euh, déjà là, je vais aller un petit peu dans la story de Vera, de dire que euh, moi, ma grand-mère était polonaise, ma grand-mère maternelle. Hein, euh, elle a vécu en Pologne jusqu'à ses 20 et quelques. Et ensuite, euh, elle est partie. Elle a eu l'occasion, juste avant que la guerre démarre, euh, de partir pour aller œuvrer en France où elle a rencontré mon grand-père. Donc, elle a quitté toute sa famille. Et comme après il y a eu la guerre, elle n'a pas pu revenir. Euh, il a fallu attendre 50 ans euh, pour qu'elle puisse revenir en Pologne. J'aurai peut-être l'occasion de raconter cet épisode plus longuement dans une autre vidéo, un autre podcast. Mais en tout cas, euh, je suis allée plusieurs fois en Pologne, trois fois. Je ne sais pas si dans ma famille, il y a des personnes... Euh, d'origine juive, euh, pas à ma connaissance. En tout cas, il se trouve que moi, il y a eu vraiment plusieurs euh, ouvrages <laughs> auxquels j'ai participé, notamment en tant que figurante, où je devais interpréter euh, une jeune fille juive qui était déportée, mais vraiment plusieurs, plusieurs fois. Donc, soit les rafles, soit dans les wagons. Et après, quand je suis allée en Pologne, je suis allée trois fois. Euh, la deuxième fois, je suis allée, j'en avais déjà parlé une fois, euh, ben, visiter Auschwitz avec ma mère. Euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est présenté comme ça, vraiment euh, de manière assez concrète. Euh, donc, ça, c'est un premier lien, euh, non pas avec Shabbat, mais avec euh, le peuple juif. Euh, la langue, en fait, j'y suis assez sensible, hein, euh, notamment la langue chantée et aussi les lettres hébraïques avec lesquelles euh, voilà, j'aime bien m'aventurer parfois. Euh, mais après, je pourrais dire aussi que voilà. Les langues, j'en ai déjà parlé, il y a un amour pour euh, les mots, donc les mots français, mais tous les mots et toutes les langues, euh, les accents, inventer des langues, euh, euh, l'argot, j'adore l'argot, le verlan, euh, le trash, euh, euh, voilà, j ai, j ai... il y a un amour euh, de, des mots et de, de l'expression. <laughs> nous vous apportons la paix, 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 la joie et l'amour. et les chants euh, que, qui sont présents là dans, dans cette vidéo que tu es apparemment en train d'écouter, regarder. Euh, le chant Événou, Shalom Alehem, euh, il était présent, il est présent dans la tradition familiale de Vera, surtout du côté de la grand-mère paternelle, là, cette fois-ci. Euh, parce qu'il y a beaucoup de chants, euh, enfin, de ce côté, de cette branche-là, ils sont assez chanteurs. Euh... Et c'est aussi un chant qui s'est représenté plein de fois dans des groupes où Vera a pu faciliter, co-faciliter groupe parents-enfants, retraite de femmes, et c'est un chant qui apparaît souvent que tu dois aussi connaître peut-être, et chanter peut-être. Et le premier chant, euh, celui-là, il est plus récemment connu. Là, je repapillonne. Par rapport à, aux racines euh, juives aussi euh, et aux liens, euh, c'est que Michel aussi était d'origine polonaise. Lui, il n'y avait jamais été. Et lui, il était d'origine juive polonaise. Et, euh, et son père, euh, de ce dont, ce dont je me souviens, c'est que... Je, son père a été déporté et il en est revenu. Et par contre, sa tante, donc la sœur de son père, elle, n'est pas revenue des camps. Et ça m'amène à parler euh, de Shalom, euh, qui est cette paix que nous sommes. Cette paix inconditionnelle que nous sommes. Mais c'est sûr que là, les événements dont je viens de te parler, c'est pas très fini. Euh, J'ai pas envie de plus euh, m'apesantir dessus, mais juste euh, témoigner du fait que cette paix est un mystère. Cette paix n'est pas compréhensible. Son inconditionnalité, l'inconditionnalité de Shalom est absolument impénétrable, irrationnelle, illogique. C'est la paix de Dieu, c'est la paix du Christ. Et ce chant, est -nous", euh, nous shalom aleichem, nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la joie. Nous vous apportons l'amour. C'est Dieu qui se glorifie dans sa paix. C'est la paix qui glorifie la paix. C'est l'amour qui glorifie l'amour. C'est la joie qui glorifie la joie au-delà de tous les concepts, incluant toutes les conditions. Et Shabbat, on pourrait dire que c'est l'instrument de cette paix, entre guillemets, instrument, qui est à la fois temporel et intemporel. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est le temps de l'amour. C'est le temps de l'essentiel. <sifflements> Pour le peuple juif, la célébration de Shabbat a lieu une fois par semaine, du vendredi soir au samedi soir. Donc le Shabbat est considéré comme une, un temps d'adoration et de révérence. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra m'adorer dit l'éternel. C'est un temps de bénédiction, d'intégration, de prière. C'est un temps de ressourcement, de régénération. C'est une halte, une pause. Et c'est le temps, en fait, de l'alliance éternelle. C'est-à-dire que souvent, Shabbat est comparé à l'épouse, à la bien-aimée, comme dans le cantique des cantiques. Viens, mon bien-aimé, au devant de la fiancée. Allons accueillir le Shabbat. Viens, dans la paix. Et viens dans la joie viens ma fiancée viens <laughs> ma fiancée <laughs> mm. Donc c'est une lune de miel éternelle et à ce sujet je voudrais te dire deux anecdotes la première c'est que mes parents justement ça me rappelle ça c'est que ils ont fait leur voyage de noces en Israël pour eux, c'était un moment très, très, très fort. Et je crois que c'était... Euh, alors, je ne sais pas si c'était pendant ou juste avant, juste après la guerre de Kippour. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a aussi ça qui est présent, tu vois, quand je te dis toutes les résonances qui existent. Euh, je sais qu'à chaque fois qu'ils en parlent, de comment ils ont préparé ce voyage, comment ils l'ont vécu. Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose de cet ordre de l'alliance, quoi. Et à propos de l'alliance, juste là, il là, y a même pas bon, une, voilà, une semaine, j'ai plein de nouveaux voisins encore. Et une de mes voisines est d'origine grecque et elle m'a dit que Vera, donc je t'avais déjà dit que. À chaque fois, j'apprends des nouvelles significations de ce prénom qui s'est qui affirmé dans ma vie, euh, qui s'est imposé. Et bien, la nouvelle signification, c'est que Vera, ça veut dire alliance en grec. Et si tu suis régulièrement les vidéos qui sont faites sur cette chaîne, tu sais à quel point ce mot ben, est un mot qui irradie à chaque fois dans les vidéos. Et ben voilà, tu vois. Donc il y avait la vérité, la foi, la liberté. Et maintenant nous avons donc l'alliance. En n'oubliant pas que quand même il y avait amour et sagesse qui étaient, et espérance qui n'était pas loin de, de Vera. Voilà donc un véhicule lumineux. Nous vous apportons la joie. Nous vous apportons la joie Nous vous apportons la joie Nous vous apportons la joie, la joie, la paix, l'amour Donc Shabbat, même si tu n'es pas d'origine juive, même si tu n'as jamais entendu parler de Shabbat, ça peut quand même résonner. Parce que justement, tu es Shabbat. <laughs> tu es Shalom. Quelle que soit ton origine. Donc c'est vrai qu'ici, il y a ce goût des rituels aussi. Et souvent, j'ai à cœur de transmettre ça aussi. Et d'ailleurs, dans ma propre famille nucléaire ou élargie ou, ou voilà, ou famille cosmique, euh, oui, il y a cet élan de transmettre sous une forme ou une autre Shabbat. Cet intervalle alchimique. Voilà. Parce que quand je disais la bien-aimée, c'est que oui, en fait, Shabbat est comparé à une épouse qui, qui serait mariée au peuple de Dieu. Donc on pourrait dire que Shabbat est marié à Kiki. <laughs> c'est. Kiki Shabbat et Dieu, trois en main. C'est un temps moi qui me fait beaucoup penser au temps de lune et c'est très marrant parce que au moment où je te parle j'ai mes lunes, j'ai mes règles pour ceux qui savent pas ce que c'est que les lunes. C'est pas grave si tu sais pas. Maintenant tu le sais. D'ailleurs, évidemment, dès qu'on leur parle, elles ont... il y a eu mon ventre qui a fait plein de petits gargouillis, gargouillots. <laughs> Et, euh... Et ouais, moi, ça me fait penser à ça, par exemple. Euh... Pendant les lunes, le rythme dans l'apparence est très. Au ralenti, tout se pose. Tout ce qui apparaissait comme très important, tout d'un coup, ça reprend son caractère insubstantiel originel. <laughs> Et il y a cette communion justement euh, entre le corps, le cœur, l'esprit qui s'épanouit, qui fleurit, qui s'étend à l'infini. Comme si plus rien n'avait d'importance que juste cet instant, l'éternité de cet instant. Oh my Le Shabbat, c'est aussi, dans la tradition, c'est aussi le temps du pressentiment. C'est Dieu qui a le pressentiment de lui-même. C'est un temps d'abandon. Dieu s'abandonne à lui-même. Dieu écoute Dieu. Ça, c'est, il me semble, une phrase d'Eti. Il est soum. Euh... Et justement, elle, elle est une des figures de cette paix inconditionnelle. D'ailleurs, un de ses livres, je pense qu'il est quelque part dans la bible, la mini-bibli. Euh, attends, je vais regarder. Je l'ai trouvé <laughs> Oui, c'est bien ça, « Faire la paix avec soi », 365 méditations quotidiennes, et voilà bien que le 7 décembre, elle nous dit ⁇ La beauté est partout ⁇ Je crois que la beauté du monde est partout, même là où les manuels de géographie nous décrivent la Terre comme aride, infertile et sans accident. Et le 8 décembre, ça c'est une de mes prefs, d'une délivrance à l'autre. Écoute-moi bien ça <laughs> La vie est un trajet <laughs> d'un moment de délivrance à l'autre. Moi bon, je te l'ai, je te la dis sans les aux otages. La vie est un trajet d'un moment de délivrance à l'autre. Amen ah, <laughs> Voilà. <rire> hmm. C'est ça, Shabbat. C'est la délivrance. C'est un temps de gratitude. D'émerveillement. vous <t 'en> l'amour. Oh là là. Mais oui, c'est merveilleux. Bravo. Vous <laughs> Nous vous apportons l'amour, l'amour, la paix et la joie. Et c'est complètement paradoxal, parce que tu vois, par exemple, dans la jeunesse, ben, c'est de là que tout ça, <laughs> tout ça, ça a émergé. C'est-à-dire qu'il a dit, ben voilà, j'ai fait tout ça, là, les six jours, et le septième jour, ben, je me repose. C'est ça, Shabbat. Et je contemple mon œuvre. Et ils se m'arrêtent. <laughs> euh... Mais c'est paradoxal parce que Dieu n'a pas vraiment besoin de se reposer. Et en même temps, si, toi qui es Dieu, bien sûr que tu sais que tu es Dieu. Évidemment que tu le sais. T'as pas besoin de te reposer pour te contempler et savoir que t'es Dieu. Et en même temps, bah si. En même temps, si t'es en pilote automatique dans ta kiki life de Dieu euh, qui n'est déjà pas kiki et qui n'a déjà pas de life, eh ben, il y a un moment donné. Euh, Ça s'assèche. Et même si le fait de s'assécher, c'est Dieu aussi, et bien le fait de s'arrêter, c'est Dieu aussi. Même si c'est du dream, même si c'est une illusion, puisque tout est une illusion. Et dans l'illusion, en tout cas pour Vera Kiki c'est hyper important d'avoir ces temps de Shabbat, même si. Ce Shabbat-là, il est expérientiel et le Shabbat que nous sommes, il est éternel, sans commencement, sans fin. C'est aussi un temps de célébration du foyer, de la famille. C'est la célébration de la demeure physique, mais de la demeure que tu es, tu es le royaume. C'est la célébration aussi du pain de vie. Donc ça peut être un pain concret, mais c'est aussi le pain de vie insubstantiel. Donc ouais, là tu vois que j'ai fait plein de petits rebonds et c'est ça. Ici, ça, ça va souvent le proposer justement au sein de la famille. ça va souvent venir naturellement de dire mais arrêtons-nous, <laughs> regardons-nous. Donc quand je dis la famille, c est, c est, ça peut être aussi avec un partenaire, ça m'est arrivé très souvent avec mes partenaires de proposer ça. Donc on a besoin de se le proposer à soi en tout premier lieu. Et avec nos relations. C'est ça qui nous permet de nous régénérer et de goûter la profondeur, l'inconnu que tu es, que nous sommes, de goûter la réceptivité. Le suspens, le suspense. <tousse> d'inspirer Dieu, d'expirer la joie, d'inspirer l'amour, d'expirer la paix. <tousse> Shabbat, c'est la révélation de Dieu à lui-même, de l'amour à elle-même, de la joie à elle-même. Alléluia. Parfois, au moment où l'on l'attendait le moins, quelqu'un s'agenouille dans un recoin de mon être. Je suis en train de marcher dans la rue ou en pleine conversation et ce quelqu'un qui s'agenouille, c'est moi. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. On aurait dit... Une fois de plus, que la vie, avec tous ses secrets, était tout près de moi, que je pouvais la toucher. J'avais l'impression de reposer contre la poitrine nue de la vie et d'entendre le doux battement régulier de son cœur. J'étais étendue entre les bras nus de la vie et j'y étais en sécurité à couvert. מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. אבן ושלום עליכם. אבן ושלום.